Yo la team, il est exactement 22h bientôt, je sais pas, ma montre. Bref, on attendait que Corentin finisse les donation goals pour qu'on puisse s'organiser, prévoir au cas où il faille ramener quelque chose pour le Z-Event. Il est toujours en train de les faire. Et là, on va charger la voiture avec tout le matos qui est là, tous les sacs, tout ce qui est là avec le P. Et du coup, demain, je prends la route et eux, ils y vont en train. Ouais, il y a des VIP là-bas, ils y vont en train, ouais. Et là, on va charger la voiture. Peace! Maintenant on est des vlogueurs en fait. Ouais, mais du coup si tu vas vlog à la... Moi je fais pas trop vlog, hein, je vous le dis les gars, désolé mais moi je fais avec vlogueur. Steph on va vlog, t'inquiète. Ok, vous êtes les snipers un peu. Ouais, mais sans déranger les gens non plus, tu vois. J'ai préparé 30 thèmes donc tu vois, genre Bob Lennon, on a fait Skyrim. Là, j'ai du foot, j'ai du rap, j'ai du... Vous voyez là, je fais exprès de l'écouter. Là il pense que je l'écoute mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il dit. Ouais. The French enculé. Non, je rigole, je suis très chaud pour le Canada. Vraiment. Tu sais que je peux te dire un truc, j'ai trop peur de toi. Tout le monde a peur de moi, c'est pas grave. Kamel un peu moins maintenant, il a peur. Moi j'ai plus peur, t'as vu, j'ai pris du galon. Moins t'as peur d'Élise, plus t'es fort en général. Tu crois? Ah. On en reparlera. J'ai quand même peur, hein, j'ai quand même peur. Hein. On en reparlera, ouais. Je pense à la 4G. Dis bonjour. Bonjour à tous, c'est quoi? C'est pour Gotaga, c'est ça? Ouais. On va lui rappeler qu'il a perdu sa première édition de l'Outlay. Évidemment, on l'a bien tapé comme il faut. Ça sert à rien de mettre des best-of sur YouTube de tes meilleurs moments. Tu sais pas quoi, on a gagné l'Outlay. T'aimes pas quand on te filme, hein? Non. Eh ben, je vais te faire chier tout le week-end, gros. Non. Eh ouais, mec. C'est quoi, tu veux jouer à ça? Moi, j'ai pas de problème avec ça. De toute façon, tu le fais déjà sans mon autorisation. Ah putain, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ça? On va où, Paul? On va à la Grande Motte pour le Z-Event. Je pense que je vais avoir plein d'images de gens qui dorment tout le week-end. Ça va être très drôle. Le fun, l'engouement, le Z-Event. Franchement, les events dans le sud, c'est lourd, hein. Comme ça on peut rentrer bronzé, tout ça, ça fait du bien, on travaille, on prend un peu le soleil, on affine le bronzage. Non, franchement, c'est cool, hein. Comment ça? Comment? Bonjour. Ça? Bonjour. J'adore la J-Corp. Oh, le log. Non mais attends, eh oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et on va vous montrer du contenu de qualité. N'écoutez pas, il dit que de la merde. Quoi? Il a dit quoi? Il a dit, tu dis que de la merde, Amine. Ah, Amine. Oh, mais non. Le French Monster. Mais en soi... Moi j'allais voir le concert, je vais aller voir Trivia. Il est juste là le... Moi je vais voir Trivia, moi je vais la filmer. Ah, ça va te permettre de revoir des gens que tu vois très peu et il y a aussi des gens que tu vois trop souvent. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ta chambre d'hôtel, tu l'auras pas. Non, je rigole, c'est tu vas rien rester là jusqu'à 2h du matin. Oh la star! Oh la star de la soirée en fait! T'es pas trop stressé? Je suis en train de mourir intérieurement. Ça va être trop bien. Peu de gens réalisent ce soir, c'est que Trivia, bah, c'est son premier concert. Comment ça va le stress? Bah, je te dirai après. Là, c'est chaud là. Merci à Little Bolette pour les 9 mois de sub. Merci à Rushpit pour les 5 mois de sub. La team, tout le monde est parti au concert, c'est le calme plat dans la salle. Avec Polo, on est en train d'installer les setups. Donc là, Polo est en train d'installer le setup de Coco. Là, il y a Locke et là en face, il y a Dwight. Ensuite, à côté de nous, il y a l'EJL et la K-Corp. Alors ça, c'est le calme, même s'il y a un petit peu de bruit. Croyez-moi que ça, c'est le calme. Ils sont tous au concert, le calme avant la tempête. La salle du Z-Event, les gars. Alors là, c'est tout en prépa, on n'a pas encore internet, on n'a pas encore électricité. Je pense qu'on aura tout cette nuit, du coup. Là, pour l'instant, on est vraiment en train de setup les machines et on pourra tester dès qu'on aura l'électricité et internet si tout roule. Donc là, on a notre polo national qui est en train de brancher avec l'aide de Stéphane, je crois.
retour l'hôtel après cette journée de route pour Stéphane et de prépa pour moi. Une très longue journée, mais les deux setups sont installés, suite Coco, suite Douag, on a l'électricité, on a internet. Polo finalise les tests pendant que nous on va aller se reposer. Et demain on est reparti, on va venir tôt le matin pour, comme dit Elise, être prêt à toute éventualité, être sûr que tout fonctionne. De toute façon, ce qu'il faut c'est gratter le petit déj, puisqu'il est inclus, donc dans tous les cas on doit être levé avant 10h30. On est d'accord. Ça c'est d'accord. Sûr et certain. On est bien entouré dans la salle, c'est important. On est avec les frérots de la CACORP, avec les JL, avec Locke, avec Douag. Sinon ça va, il y a que du beau monde, donc c'est cool. Raconte-leur comment j'ai gratté la meilleure chambre. Stéphane, il est arrivé, il a dit ouais, vas-y, je vais récupérer les chambres et tout, c'est lourd, tu vois. Il dit ouais, non, la meuf elle a pas les noms. Et elle lui dit ah, j'ai une chambre spéciale pour Gotaga et tout. Il a dit ouais, c'est moi. J'ai une chambre avec une terrasse et une vue sur la mer, incroyable. Désolé, patron. Oui, bonjour, très surpris de la Gotaga Corporation, ils sont très très bien équipés, bientôt au cinéma, ça fait plaisir. Regardez les gars, on a préparé le petit setup de Coco, petit clavier full series au calme, la petite Go XLR, la petite webcam, la grosse cam avec un objectif large. Après on a les petits écrans, le petit écran de retour, ça c'est magique pour Corentin, le stream deck et on a la petite souris, la toute neuve Aeros Wireless full series version Ghost, la Switch, on sait jamais. Et le petit t-shirt de Divent. Là c'est ma petite question déjà. C'est comment là? Aïe. Non, arrête. Avec le poing avant et bam. T'as vu, je viens aux Z-Event pour me faire boxer par le manager de Gotaga, c'est quoi? Y'a aucun sens. Cours. Tu es capable d'accomplir le grand chose. Bah là on va finir préparer, finaliser, être sûr que tout marche bien, télécharger les jeux et tout, et puis ce soir c'est la fête, hein. Ce soir c'est le début de la fête du week-end. Elle est sous le signe de quoi là, cette édition 2021? Je sais pas à quoi m'attendre cette année, si les gens vont être encore plus chauds que l'année dernière, ou si au contraire ça va être... J'attends de voir un peu comment les gens sont chauds dès le début, et puis voilà, après on va s'adapter. Hein. 6 millions? Bah, c'est dur, hein. C'est dur, mais en fait chaque année on se dit ça va pas être battu et au final on explose le truc, donc... Mais là c'est quand même un sacré record qu'on a fait l'année dernière, hein. 5 millions 7, je sais pas. En tout cas si les gens sont chauds, nous on l'est en tout cas. Polo, test son. Voilà, on a été faire les petites réserves pour ce week-end. On a répondu à la demande de chacun, notamment une tonne de saucissons pour Corentin. En fait, sur le stream, il voit où tu regardes. Il y a un moment, tu mettras des vidéos, tout ça et. Ah non. Ah si. Désolé. Ah si. Non, mais je suis chaud, mais putain. C'est qui ton artiste préféré, toi, tout hasard comme ça? Féminin, c'est qui? Féminin, oui. Allez, réponds, James. Rien de particulier? On s'occupera de ça, t'inquiète. Et c'est à ce moment-là que le Z-Event a mal tourné pour toute l'équipe de la Gotaga Corp. Ah, voilà. Là, je pense que c'est la nuit blanche officielle. Ça va ou quoi? Bien? T'es chaud ou pas? Ça va. Je suis trop content. Hein. C'est la frappe. Ça va bien? Ça va, mon frérot? Tranquille. Ça va. Et les BO2 du coup? Si j'atteins mon truc goal et faire un 1v1 sur Nuketown. Rêve de gosse là. Et bien, déjà, première chose, merci à tous d'être là et de nous faire confiance. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Bienvenue à tous les nouveaux. Bienvenue. Merci. Premier test de l'eye tracker par Corentin. Oh, c'est dur. Oula! Non, il est e-bug. Ah ouais, elle est... Ah, des besoins. Ah, j'ai pas le choix, non, je veux pas coquiner. Vert. Peinture verte. Il est en train de refuser le pari à Outlet. Mais t'as pas le droit de refuser un pari, toi. Non, je refuse pas. Je suis pas un bâtard. Regarde. Il fait moitié, tu sais. Regarde, tu le gardes pendant une semaine. Une semaine, ça me va. Ah, mais attends, tu veux que mon gage? Tu veux que mon gage? Mais t'inquiète, ça, c'est pas grave. Mon gage? Moi, je veux juste que tu lui mettes un gage qui le fait autant chier que le mien. Toi, ton gage, je veux que ça soit une teinture rouge. Oh, merci, mon grand. T'es gentil, il voulait ça. Il a déjà dit qu'il aime ça. Regarde, il est content. Comme là on fait la photo, s'il y a un peu de vous étaler. À trois, tout le monde. Attention, 3, 2, 1. Bonjour. Je suis en commentaire. Bienvenue aux Z-Event 2021, ça va derrière? Un petit mot pour le vlog, Coco, avant de débuter? On commence un peu en retard, mais on est là. Ok, let's c'est go. Parti. Enfin, j'ai Tommy avec tous les JL. Tommy! Fais coucou! Salut! En face de moi, bah forcément, le French, qui voilà, enfin, salut. Tout setup, le boss. Le petit Locke, qui lui aussi va tout donner lors du Z-Event. Je suis très, très bien entouré, j'espère que tout le monde va bien. C'est quoi? Sherpa, vous dites, c'est quoi un Sherpa? C'est un plaid. C'est un truc, je crois, pour te couvrir. C'est un plaid ou un pull? C'est un pull que tu mets, un pull plaid en fait, regarde. Oh, mais ça calme, elle va le tous les jours.
c'est quoi ça, une petite tasse? Ils nous offrent des plaids, à l'époque c'était des sacs Louis Vuitton. Ah, c'est une petite tasse, un petit plaid. Est-ce que. Tu veux dire? The mec, Lord. Ça va ou quoi? Ça va et toi, Loulou? Mec, ça regarde, 28K, ça va. Mec, dis-toi que j'ai commencé avec 1h30 de retard. C'est vrai? Le temps de régler tous les problèmes et tout. Toi, dimanche soir, t'as atteint tous tes trucs, c'est sûr. Bah, j'espère, mec. Bon courage, Loulou. C'est bon, vous êtes prêts, combattants? Vous êtes prêts? 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 Allez! Prends-toi, vas-y, viens, viens, fais-moi tomber. Voilà! Voilà! C'est qui le suivant? Allez, je vous lance un mot. Ça, tu vas y passer. Hein. C'est quoi? Regardez ce qu'il y a. Oui, bah, tu vas le faire, mec. Mais qu'est-ce que tu fais? On le fait quand? Bah non, mais tu le gardes. Je vais te compter. Donc, Regarde dans le chat, Code B partout aux toilettes, ça se tire. Je préfère vous le dire, c'est la vraie raison. Il n'en peut plus, il a une montée de testostérone à cause du combat avec Billy. Je vous laisse. Je le connais pas, frérot. Tu connais... Mais sujet, tu connais pas non plus? Non, je le connais pas. C'est un blanc, les gars, comme c'était un œuf de petite poule. Tu sais quoi, je vais faire l'acteur. Genre, je vais le manger, je vais essayer de garder la tête la plus normale possible. Je dirai sur le chat si vous pensez qu'elle est, que c'est bon ou pas. T'es prêt? Tu fais pareil? Je fais exactement pareil. 3, 2, 1. C'est dégueulasse. Poker face. Poker face. Wow, Bibix. On est là, le god va chanter. Bibix Dédé, qui es-tu? Bibix, il vient de lâcher 1000 balles. En 5 minutes, il devait donner 5000 balles. Ça a été détruit. Au début, il ne donnait plus. Il ne donnait pas le rein. Non, non, t'as pas. Et donc, j'ai dit, je vais chanter. Et on se fait, ah, ça peut être marrant. Avec Trivia, ils ont tout lâché. Oh, let's go. C'est trop fort, le chat. C'est bon. J'essaie de voir s'il veut pas cheater. Tu vas le faire à fond. Ouais, frère. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, tu viens pour. Je surveille. Ouais, va jouer là, va jouer, t'inquiète. Amine. Attends, y'a une custom là. Bon. En 35. Là, tu vois, c'est ton coiffeur qui te fait des trucs de ouf. Ouais. Là, sur Doig, là, c'est son meilleur pote. C'est lui qui m'a fait les cheveux rouges. Là, c'est okay. Pas fini encore, mais du coup, pour se venger, mon pote, on est passé 60 000 à 70 000 en 10 minutes grâce aux gens. Encore un grand merci, vous tous, les gars. En ce et moment, merci, Steven, c'est ouf. Merci, l'ami. Inox, je lui ai proposé d'aller lui raser les cheveux. Oh, oui. On va lui annoncer. On va lui annoncer. Oh oui, bébé. Oh, comment ça va, mon ref? Ouais, ça va, le son? Ça va ou quoi? Attends, Gotha, il a une annonce. Bah, tu sais, de 60 à 70 000, je dois te raser les cheveux. Oui, bien sûr. Vu que lui, il se fait couper par ton meilleur pote. Je vais vers la boule à Z. La tête de moi, je vais lui faire un massacre. Là, on fait un tracteur de malade, les gars. On fait un tracteur de fou là. C'est son anniversaire demain en plus. Ah, c'est ton anniversaire? Raison de plus. Oh, je vais lui faire un sacré carnage. Non, mais non. Ok, je lui fais bien alors. Ok, t'inquiète, je fais bien. Non, parce que là, ton regard de démon, toi, je le connais. T'inquiète, je vais faire bien. Promis, je te fais une vraie boule à Z. Les gars, je stresse, mais vraiment, là, je stresse énormément là. Les gars, là, en fait, il se passe une dinguerie. Je suis pas venu pour ça déjà de base, les gars. En fait, moi, je suis venu déjà pour coiffer, Ça va bien se passer, mon petit. Du coup, alors. Non, tu fais ça direct comme ça. Eh, on parle français ici. Non. Non, Inox, respect. Venez bien, dis-toi, son pote, c'est celui qui te coiffe, il fait troll. C'est incroyable ce qu'on vient en direct. Ah ouais, ça part bien. Ça part bien. Attends, c'est pas blanc, c'est pas fini. Non. On va faire bien blanc, faut que ça soit tout lisse. Ça va t'aller trop bien. Je te jure, ça va bien. Au pire des cas, ça repousse, mais je t'assure qu'il n'y a même pas besoin. Non, ça va bien t'aller, Winnie, vraiment. En plus, Inox, il fait les choses bien, en vrai. Il fait les choses bien, Inox. Les amis, j'ai envie de pleurer, mais vraiment, ça va être blanc. T'es trop relou là. La tête de Wem, ça fait un flow, mec. Fais ça bien. En vrai, il fait ça bien. En vrai, il fait ça bien. Attends, je fais un Z en dégradé. Non. Ok, t'inquiète, je fais pas. Là. En vrai, je te jure. En vrai, ça te jure la tête. Maintenant, regarde. Regarde-moi. Moi, quand je parle ça. La tête de Wem, que t'es mieux comme ça. Là, je te jure. Non, par contre, je te jure, ça te va comme ça que avant. Je pense même que tu peux même plus faire un blanc. Franchement, ça, j'ai valide fort, moi, ça. Ouais, vraiment. Je te jure, frère. T'es pas choqué, en vrai. En vrai, c'est pas deg, les gars. Je crois que c'est pas deg, vraiment. Mais les gars, je crois qu'en fait.
J'aime bien. Ah voilà, non mais. C'est chaud, mais en vrai, je crois que j'aime bien. Le coiffeur, il s'est fait de boule à Z. De base, il venait faire une teinture. Il fait la teinture de doigts. Il y a une boule à Z. Toi, tu sors, je sais pas d'où, frère. Ça part trop loin là. C'est cool de pas mettre de cachet. C'est trop léger. En vrai, ça va, tu vois. C'est pas full rouge, j'ai l'impression. Les gars, vous avez vu, j'ai pas menti. Je te remets le Saint Graal. Sur le thème de la violence éternelle. S'il te plaît, Amine. Alors, Amine, s'il te plaît. C'est simple, hein. Fais attention, dès lors que tu l'allumes, c'est à blanc direct. Là, t'as de très grosses responsabilités. Tu vas t'entraîner sur blanc d'abord. Non, non. Franchement, si tu fais un one shot d'un beau cœur, respect. Non, je t'assure. Même sur une feuille, je ne saurais pas dessiner un cœur. C'est pas mal, vraiment. Franchement, c'est pas mal du tout. T'es en train de faire un cœur pas mal. En vrai, c'est mignon. Non, Gotha, je te promets que c'est très joli. En vrai, c'est incroyable. En vrai, c'est très propre. C'est très propre. Je te promets, c'est très propre. En vrai, c'est très ok. Les frères, c'est mignon. En vrai, regarde, t'as le cœur. Franchement, Gotha. Franchement, tu sais quoi, on laisse comme ça. Merci. Ça merci. Ouais, il est clean, voilà, il est clean, voilà, mon cœur, voilà, je me suis appliqué. Jour 2, les potes. Je pense qu'on voit pas bien. Mais il y a vraiment full vague. Jour 2 Z-Event, Polo il est déjà à la salle puisqu'il doit mettre en place des trucs avec Z. Et Steph il vient de partir aussi. Là je pense que Gotha vient de se réveiller, du coup je pense qu'on a peut-être une heure devant nous. Une demi-heure, une heure devant nous au minimum. Et après faut que tout marche quoi. Relative, bon bah Corentin vient d'arriver, il est 14h18. Et on va devoir quitter la salle puisqu'ils vont faire une vérif de sécurité avec la police. Donc voilà, on va devoir couper les streams, enfin couper les cams pardon. On va pouvoir laisser les streams mais il y a la police qui va investir la salle pour faire... des vérifs de sécurité. Comme expliqué, on doit évacuer. Faut sortir ou c'est... Sortir. Ou Je sais pas. Une de cette ambiance. Ah, j'espère qu'ils vont pas taper dans nos Kinder Delice les flics là. Il y en a plus beaucoup là. J'ai que tout le monde dit. C'est pour la miniature. C'est pour la miniature. Miniature. Il se passe quoi Bouzy là? Tu peux nous dire ce que c'est? Là, gros problème, Corentin, il a trouvé quelque chose dans ses sacs. Il fait une petite photo. C'est une vérif de sécurité nécessaire pour un événement, donc voilà, c'est tout. Mais voilà. Donc c'est une vérif de sécu, dès que c'est fait, on y retourne. Voilà, c'est tout. Merci, on compte. Là les gars, j'ai un truc pour vous, je vous ai préparé ça. Piment d'Amazonie, c'est 80 000 sur l'échelle de Scoville. Et ça c'est combien? Ça c'est 1 300 000. Bon, il veut 1 000 000 lui. C'est pas le beau là. Non mais je te jure, je tente. Mais lui il est délicieux en fait. Ok, vas-y. C'est pour vous mettre en bouche. Vas-y. Là en one shot là ou pas? Oui. Ça va faire un petit coup de boost au début. Voilà. Aucune émotion. Il est bon ou pas? Ouais, je c'est bon, hein. Ça va? Ouais, non, ça va. Ça va, Gotha? Comment tu peux être normal? Non, mais depuis que je suis petit, mon grand père mange du poumon. Et du coup, je mange du poumon à tous. J'ai le hockey. Voilà, j'ai le hockey. Déjà, il est sympa, c'est pas moi. Un petit ressenti sur ce premier piment de cerne? J'avoue que je l'ai one shot, je pensais que c'était un truc chill. Faut que tu te mettes bien en face de l'écran. Je te mets bien en face. On va calibrer tes yeux, va falloir que tu regardes les petits trucs. Putain, ça suit dans la seconde. Ouais, c'est pour ça. Non, mais voilà, c'est collègue streamer. Lugia qui est un Pokémon qui est apparu dans Or et Argent, mais qui était déjà dans les versions précédentes avec Sacha. Amourante, merci à toi de faire apparaître Lugia. Lugia qui apparaissait seulement le vendredi dans la grotte, dans Or et Argent, bien sûr. Voilà, c'est des clips musicaux. Quelqu'un, tu connais peut-être Nicki Minaj? Ouais, Nicki qui fait du bon contenu. Ouais, c'est niveau 3. Moi j'ai déjà, ouais, tu vois, t-shirt de quelle couleur? Noir. Pourquoi tu rigoles, mon mec? Tu la connais ou pas? Des trucs dans la piscine là. C'est une streameuse assez connue quand même, je sais pas si tu connais. Ah, tu regardais le ballon? Le petit ballon. Je regarde le canard, je te jure que je regarde le canard. Ah, mais c'est un champ de mine ta vidéo, c'est impossible. Je suis trop amoureux de ma copine pour regarder une autre fille. C'est quoi petit niveau? Tranquille, hein. Bah non mais non, franchement, c'est là où je regarde. Non mais arrêtez, c'est là où je regardais, c'est arrivé. Regarde, je dirais que je regarde le chat. Après le calibrage il est peut-être mal réglé les gars. Ah, il est peut-être mal réglé, t'inquiète, il y a des petits bugs de temps en temps. Bah, vous l'avez vu ce matin? Ah là ça fait plaisir. Là c'est bon. Oui. Voilà. Je vais le doubler, t'as mis doublé ça? C'est fini.
de la gâche. Bravo. C'est toute la ligne de loser. Waouh, c'est vénère ça. Rien à dire. Bien joué. Le boss. Enfin, quel boss. Sur Ballon d'Or. Bravo, GG, bon suivi. Tiens, Gotha, mais. Je te jure, j'ai pas fait exprès. T'as fait si rond, ça marchait pas. Mais moi, mon perso, il ne prend pas la balle. Ouais, j'étais en mode, il est stun, ok, vas-y, on tire. Très bon corner. C'est plus le super dans l'équipe que la tête. Quel crack, quel crack. Ah, bien joué, bien joué. Ah, c'était cool en vrai. Comment bats-tu, mon ref? Ça se passe, franchement. Frérot, j'ai un jeu. C'est le Yo Charlo Billy, le Charlo de Billy. Il y a plein de cadeaux, tu choisis ce que tu veux. Tu fais le don que tu veux pour Action contre la fin. Il y a un bengal. Bah après c'est toi, ta conscience, ton chat. Je lis quoi? Je lis 2 millions, incroyable, gros 2 millions. Antoine, Daniel, Michon, ils ont mis la main à la pâte, ils sont trop contents de leur cadeau. A ton avis, qu'est-ce que c'est ce gros truc? T'as pas le droit de le toucher. Ça se voit que c'est un tableau. Je te spoil, c'est un tableau de boxe. En avant-première, je suis allé chez un galériste à Montpellier. Il a fait un tableau exprès pour cet événement pour Action contre la fin. Carrément, je préfère que tu prennes un petit cadeau et je reviens vers toi plus tard avec ça. Ok, donc là je peux te dire genre 500 balles pour un petit cadeau. Ouais. Et par contre, je reviendrai vers toi. Mais choisis un petit cadeau pour commencer. Celui-ci par contre il est pour Inox, je suis désolé. Ça a été choisi par il se peut qu'il y ait un banger dans ces trucs là. Ok, je choisis. Tu baiseras pas, c'est pourquoi? Là c'est une bouteille. La tête de moi que c'est pas une bouteille. C'est une boisson. Non. Tu peux pas deviner ce qu'il y a. Je suis parti chercher des objets aux quatre coins du globe, c'est des objets assez. Vraiment très bien. Je prends ta tête. Enfin, c'est ton dieu. Écoute, prends ce dildo, fais-en ce que tu veux. Non, je rigole, c'est pas du tout. Ouvre-le tout seul, je suis un peu timide pour que tu l'ouvres devant moi. Je vais retourner sur mon stream. T'es rouge, mon ref. J'aime pas qu'on ouvre des cadeaux devant moi, je me sens gêné. Je te l'offre avec le cœur en fait. Ouais, non, en plus, j'ai une envie pressante, je dois aller aux toilettes. Et franchement, regarde, vite. Le coach, il va pas prendre la ligne, t'inquiète. Mais ouais. Oh, Durex, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, merci Billy. Ah, il y a écrit quoi dessus? Perfect glisse. Perfect glisse? C'est glisse pourquoi? Ouais, c'est pour que ça glisse bien quand tu te laves les mains, etc. Frérot, ouais. Je t'invite à l'utiliser autant de fois que tu peux, c'est un banger absolu. Tu veux me faire une petite démo? Tiens, je te l'ouvre. Ah, mais après, je dois. Oui, j'arrive, mon ref! Il est ouvert, mon ref. Je lave les mains avec. C'est bien, j'ai un truc dans la bouche comme ça, c'est bien. Frérot, tu le mets comme ça et c'est un gel désinfectant. C'est un gel désinfectant et tu te laves les mains comme ça. Je suis bien désinfecté. Frérot, il faut que j'y aille. Merci beaucoup, frérot. Ton don est incroyable. Je reviens vers toi pour le tableau. Allez les gars, il lui reste une minute. Une minute et après c'est terminé. Et tant mieux pour Action contre la fin du coup. Oh non. Oh. Il a pété un bout du parapluie les gars. Ah ouais non, c'est bon tout de suite. Et là tout s'effondre. C'est terminé. C'est terminé. On l'a eu les gars. De toute façon j'étais trop loin là, j'arrive pas à l'enlever cette partie là. Mais c'est impossible en fait. C'est impossible. Bien joué. Tu as tous nous arnaqué. Bravo, merci du coup pour les 1000 balles. Moi j'avais dit 500 mais du coup t'as décidé de me donner 1000. Mon ego t'a donné 1000. On peut l'applaudir quand même les gars. La dernière ligne pour les 27 dernières. Oh là là. On fait le high tracking ou quoi là? Mec j'ai peur hein. Mec tu sais que j'ai peur en vrai de vrai. Allez vas-y. Oh, même elle la regarde. Wesh même elle la regarde. Non elle a fait tomber quelque chose. Elle a fait tomber quoi? Ah. Non j'ai même pas regardé. T'as pas regardé? La vérité j'ai pas regardé. Non arrête. Ouah c'est trop dur. Mais pourquoi y'a que des vidéos de meufs qui sont dans des piscines? C'est bon, c'est un contenu qui pullule sur les sur okay. Touche faire. Bienvenue sur mon setup. Je reviens. Ok. Ah c'est bien là, non? Ouais. Ça nous va bien là. Non, il a fui, il a dodge. Il arrive. Je suis mort. T'as quand même l'exclusivité mondiale de Gotha qui chante. Attends, c'est la première fois qu'il chante? C'est la première fois qu'il chante en live, ouais. Il chante au bureau et il remanie toutes les paroles. Il est de retour. Il est prêt. Il est enjaillé à la mort. Mais parce que je veux pas chanter. Mais si, ça va être bien. Y'a tout le monde qui Gotha, on s'en est pour une nouvelle musique. Coco il va chanter guerrier avec Marielle, ça va être incroyable. 5 minutes later. Tu es capable de grand chose.
Ah non mais on est en duo en fait. La réalité. Je sais même pas où on en est. La clé de la réussite se trouve dans l'échec. Si ton père est bon, d'abord t'en sais aucun remords, aucun regret. Ce que tu fais, touche le ciel avant de finir sous terre. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. Many hours later. Bon, la team, il vient d'avoir un petit raid de nuit là pour atteindre les 2 700 000. Il manquait 28 000 euros. Ça a été atteint en 6 minutes, je crois, avec les quelques streams qui restaient. Et il y a le gros taureau qui vient d'arriver. Oh, le taureau, il est énorme. Mais oui, il est énorme. Ah, c'est quoi ce taureau? Il sort d'où? Allez, go pour la photo, les garçons. Marco! Sinon, mais j'en fais juste ces je me soutiens un peu. Moi, ma poisse, c'est en dessous de lui. Je fais un selfie et après, on fera les photos avec Chloé. Mais même les techniciens, allez-y, on s'en fout. Ouais, venez, tout le monde, on venez. Les plus petits d'abord. 3, 2, 1. Bon bah repos bien mérité pour les deux guerriers de visage. Moi en plus je vais dormir là sur ma chaise là. T'as ton cul sous. T'as ton cul sinon tu, je te donne bien. Ouais, ça, ah oui je l'ai. Ça frérot c'est mets vraiment... Mets ça et tu t'endors dedans, ah, c'est lourd. Ouais. Merci Michou pour le stream, bonne soirée, bon courage, bonne nuit. C'est incroyable. Ouais je vais couper je pense. Du coup tu vas dormir jusqu'à quelle heure, 8h? Ouais 8-9h je pense. Tu vas tenir ça va? Bon ça, en vrai c'est dans 3h moi. On peut voir ton tatouage, Leland? Voilà, mec, WSOW, ma compète à 100 000 balles que j'ai gagné. Voilà, petit petit souvenir à la cool. T'arrives à me de la musique et tu me dis ce que tu as trouvé, ok? Et je vais aller représenter la G-Corp pour qu'il me prenne. On envoie un représentant, on met lui. On peut manger quoi? À l'oreille comme cadeau, je veux. J'arrivais de niveau de trucs. Le talent caché de Dwag. Mais what the fuck les gars. Ça va bien. Il est magnifique. Il doit rester ça comme. Ouais. Combien de temps? Un vif. Il est con. Ta 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 ta. T'es prêt ou pas? Ouais. T'es prêt? Yes. You're ready? Yes. Open your eyes. C'est la meuf la plus fraîche que j'ai jamais vue de ma vie. You and me, we are not friends. Yeah. We are friends. We are friends, right? Oh my god. Happy, thank you for inviting me. I'm so proud of you. Oh putain, t'es là. Mais ça fait no. Non, it's my microphone. No, 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 no. Tu vas jouer contre qui, tu sais? Un petit mot pour ton adversaire, Rivenzi? Dommage. Non, je rigole. T'imagines, t'as trop, il va me détruire. Rivenzi, c'est l'air d'être le mec, c'est qu'il joue un peu à tous les sports. Tous les exactement. De toute façon, ça sortira jamais si tu perds. Salut, mec. Je suis là pour gagner, moi. Un petit mot pour votre adversaire, Gotaga? J'espère qu'il est prêt parce que moi, je le suis. Oh, bordel. Prochain tour contre Sard. On optimise ton temps. Sard, tu peux débarquer. Un petit mot pour Sardoche? Dommage. C'est l'attaque Superman qui me fait, frère. Oh, le retour, il a participé, on a vu le petit morceau. Nope. Non, 4-2-4. 4-2-4. Salut Sardoche. Sardoche, il est comme question sur le Panos. Ouais, Coco! Coco, là, qui a compris? Non! Voilà, c'est peut-être que c'est. Non! Mal de match, Sardoche. 6-4, premier service, ça. Allez, allez, allez! Il a inversé. Easy. Mais c'est rouge, en fait. Ouais, bah oui. Sur le dessus, c'est bon là, faut faire derrière. Là. Derrière. Attends, un peu de temps. Protège-toi bien les yeux, Corentin. Bah, j'essaie, j'ai mis la. Il est en train de se peinturer le cou, frère.
Arrête. Non mais je suis obligé pour faire pour tout ça. Les contours Coco. Ah. Et c'est reparti. Ouais. Ouais. C'est bon, t'as rien dans les yeux? Non, c'est l'air bon. Wow, quand tu prends des trucs, tu prends des... Ouais, non, mais j'en ai pas mis beaucoup. J'ai pas mis beaucoup, il a dit. T'as des gouttes dans les veux. Le t-shirt. Oh, ouais, ah, il est niqué, le t-shirt. Non, mais comme ça, t'es assorti. Il a dit comme ça, t'es assorti. T'as vu, ça a bien pris. Mais non, il est reparti. Arrête, tu connais. Ah ouais, vous étiez en train de vous baigner. Il est venu 30 minutes. Il m'a fait la teinture vite teuf. Mais tu m'as pas dit. Mais t'étais en train de te baigner, frère. Tu m'as téléboule de Billy qui était torse nu. Mais non, il est pas venu. Oh, le menteur. Non, mais voilà, c'est déjà arrêté. C'est magnifique, frérot. Wouah, c'est ouf. Merci. Non, 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 mais c'est trop orange! Y'a plus de monde, y'a plus rien, les deux sont vides. La machine à café à la boîte, un petit euro, c'est très bien! Wouah, ça rentre trop bien! Oh la tête d'Oham, j'ai un flot de fou! Mets-moi tout! Je te mets la totale! La grosse bite à Gotaga! Let's go! Mais là, je te jure, t'es BG! Tu trolles pas? Je te jure, t'es BG! Merci! Non, Flo, t'as peur. On va juste estomper. Non, non, c'est bon. On aura crâné les rues. Ouah, Ragnar, dis la phrase. Qui fait le roi? Qui fait le roi? Voilà. Mais frérot. Donnez. Juste que tu estompes maintenant. Je n'ai pas eu le spoil de cette année sur combien on en a vendu, à part le soir du concert. Alors, la cagnotte est actuellement à 4 500 000 euros, sachant que quel que soit le chiffre qui est ici, il sera ajouté immédiatement à la cagnotte. Allez, dis-le. 5 minutes later. Let's go! Allez, sors-nous Draco, ce frère. Oh, carapuce, carabas. Allez, oh. Allez. Non, c'est pas la dernière. Oh, par contre, là, je crois que c'est la dernière. Allez, Inox, fais-nous rêver, Inox. Je vais comment, je vais ta masterclass. Là, tu l'enlèves d'un coup. Et tu d'un coup comme ça. Deux, trois. Oh, Attention. Il est bête, c'est sûr.
plus bon, j'ai jamais vu ça de ma vie. 10 000 euros pour la soc. 10 000 euros, putain. Wow. J'ai un tout dernier cadeau pour l'association. Je t'ai réservé le meilleur cadeau que je peux avoir. Si, mais c'était la première écriture avant que... Ah ok, ouais ok. Ils ont patché après. Ouais. Donc je te dis que c'est un iPhone qui n'est même pas encore sorti. Un putain d'iPhone. Parce que j'ai des contacts. Mon oncle en fait, mon oncle Taïeb, il travaille chez Apple. Ouais, il fournit. Mais il est léger, putain, c'est ça le nouveau iPhone. Ouais, le nouvel iPhone, il est hyper léger. Il pèse environ 3 grammes. Ah, il est là, il est là. Ah, le tableau du gars. Le tableau de Banksy qu'on a ramené spécialement pour le Z-Event. C'est une œuvre d'art qui n'a jamais été dévoilée au grand jour. Il y a Forbes qui était là tout à l'heure pour m'interviewer. Mais je te l'offre à hauteur du prix que t'achètes pour l'iPhone qui sort dans 3 ans. Moi j'aurais dit peut-être 1000, 2000, c'est bien, c'est déjà trop bien. 1000 vraiment? 1000 allons. Mais l'ouvre pas devant moi, je suis trop timide. Ok, je peux ouvrir ça devant toi. Amine? Oui, non. Ouais, j'arrive mon frérot. Reste. Oui. Non mais Amine, il est même pas là frérot. Il est même pas là. Fais gaffe, raye pas le tableau. Raye pas le tableau, fais attention. Billy, reste là mon frérot, reste là. Ouais, non mais je l'ouvre un peu mieux. Ah tu veux l'ouvrir? Ouais, non mais carton 4, carton 4. Moi je te l'ouvre juste comme ça. Bon frérot. Il y a les Hendek qui arrivent. Ils nous ont scam. Ils nous ont scam, on a acheté une truc à linge de 1000 euros. Regarde-le là-bas. Billy! Viens ici! Run. Je pars en courant aux toilettes. Billy, viens ici! Billy. Allez, viens! Billy! Attends, je vais laisser passer Billy, il a le couteau dans la main. Il y a Corentin qui veut te parler. Bonjour. Salut mec. Alors je sais pas, je pense que c'est pas toi, tu vois. Je t'ai vu parce que t'avais une envie pressante, tu vois. Mais genre, ton gars est un scam, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'avais mis un tableau, moi. Je pense que... Non, t'inquiète, je vais aller voir Amine, reste là, Billy. On regarde le cadeau de Corentin. Attends, mais... En fait, c'est quand même lourd, en vrai. Je pourrais le mettre tranquillement dans mon écorce, ce sera un souvenir des événements, mais tu te rends pas compte, en vrai c'est lourd. Ça vaut pas 1000 balles. Mais ça encore, je suis choqué. C'est un iPhone normal. Mais vraiment, il y a trop de voleurs par ici. C'est fou, vraiment. Et du coup, ouais, on descend peut-être le prix. Allez, pour les deux, je te prends 500 balles, tu vois. C'est un dédommagement, j'accepte 500 euros pour te dédommager du vol. Ouais, ouais, bah après, ça, en plus, les deux réunis, ça vaut genre 20 balles. Steph est en train de charo. Steph est en train de charo. Steph, arrête de charo. C'est parti! Bravo pour l'énergie, vous avez tous déployé, c'était incroyable, c'était personnellement le meilleur event que j'ai vécu. J'en ai pété, bravo. Bravo Zerato. C'est incroyable, je suis tout dégueu là. Les gars, on l'a fait. Toi qui m'as pas cru, on l'a fait. Moi j'avais dit 8M5 et je me trouvais ambitieux, t'as dit non on va faire 10M. Tu peux leur dire ce que t'as dit vendredi soir quand t'étais tout petit comme sur moi. J'ai fait que 20 000, je vais même pas ramener 150 000. Je pensais que j'allais baisser mes donations. Elise elle me dit mais non lâche rien. Je me suis levé, je suis arrivé ici, t'étais déjà 60 000. Je lance mon live, je parle vite fait 1h-2h, t'as 150 000 frérot. La sirène elle est venue au Mexique, elle est venue du Mexique. Mais Scoozy m'a donné une CLA, il m'a donné 40 000 euros sur mon live. Parle en voiture inoxyde. C'est trop d'art. Merci Elise, trop fort en espagnol.
Ah oui, hey, t'as fait le chat. Et merci de la part de toutes les personnes que t'as aidé. Merci à tous aujourd'hui en, avec les dons et tout. Des bisous tout le monde, bonne merci nuit. Pour le merci aussi à toi, t'es le boss. Il voulait dire son prénom, il a dit merci. À toi aussi.